Bonjour tout le monde, c'est Maya Fée avec vous et je vais vous chanter une petite chanson qui parle de tous mes amis. Elle s'appelle La Montagne. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est l'introduction. D'abord il y a Hector, le castor, et Édouard, le canard, et José, le sanglier, et Charlotte, la marmotte, et Mireille, la corneille, et Léon, le frelon, et Fédor, le porc, et Tonio, le corbeau. Je les rejoins et je décide d'aller chercher de nouveaux amis pour m'accompagner. Du coup, on rencontre Yvan, le hareng, et Edgar, le cougar, et Fidèle, la sauterelle, et Firmin, le lémurien, et Ginette, la mouette, et Manon, l'espadon, et Yvon, le saumon, et Mario, le bulot. Et en chemin, on rencontre aussi plein d'autres amis. Lulu, le zébu, et Idir, le tapir, et Dédé, la galinette cendrée, et Salomon, le cochon, et Jean-Marc, la carpe, et Théo, le cabillaud, et Jamal, le chacal, et Sophie, le canari. Et avec tous ces amis, on rencontre un autre groupe d'animaux qui se rendent au même endroit. Mais c'est fou ça! Il y a Jean-Pascal Orignal, et Loïc le lombric, et Nicolas le koala, et Zoé l'araignée, et Ali le ouistiti, et Hector l'alligator, et Hubert le cocker, et Raoul le pitbull. Mais il y a aussi Armand l'éléphant, et Bernard le balbuzard, et Géraldine le cygne, et Damien le requin, et Arnaud le chameau, et Cécile le mandrille, et Phénix le porc épic, et Phénix le phénix. Je dois lire ce texte. Oui, oui. Eh, hey, mais pourquoi il porte le même prénom que moi? On s'en fiche, c'est qu'une chanson. Mais je suis pas d'accord. D'où il a le même prénom? Je sais que c'est un prénom commun, mais quand même. Alors, non? Attends, mais il est nul ton script. En plus, Phénix le porc épic, ça rime même pas. Bah oui, mais c'est pas grave ça. Et rappelle-moi un truc. Pourquoi je dois participer à ce machin? C'est pour faire de la pub pour le cabinet. Bon, on en était où? Ah oui! Et il y a Louis le grizzly, Augustin le lamantin, et Sylvie le coati, et Virginie le diable de Tasmanie, et Herbert le dromadaire, et Aurélie l'ocapi, et Victor le labrador, et Laurette la vachette. Malheureusement, on a aussi rencontré des animaux moins sympathiques qui ne mériteraient pas d'exister si le monde était parfait. Il y a Edith le trilobite, et Noémie la bactérie, et Hervé le bousier, et Agathe la blatte, et Fernand le scolopendre, et Chantal la migale, et Annabelle le bretelle, et Émeraude le blaireau. Mais peu importe, on passe notre chemin afin de reprendre la route. Et on croise Pierrot le manchot, et Nono le bigorneau, et Alix l'onyx, et Loïc le basilic, et puis Flore le butor, et Chantal le narval, et Alexandre le salamandre, et Donald le canard, ainsi que Julie la souris, et Cindy la sardine, Esteban le doberman, et Vincent le caïman, et Omar le homard, et Ninon l'esturgeon, et Samson le bison, et détective le détective. Non, mais c'est nul. Y'a même Anne, petite Anne, et Edith la mythe, et François le ver à soie, et Maximilien l'acarien, et Boris la génisse, et Félide la mouchetse, et Didier le mammouth, et Benjamin le pangolin. Apparemment, Didier a battu Benjamin avec un truc, mais j'ai pas trop suivi. Bref, toute façon, on s'en fiche parce qu'il y a Véronica l'anaconda, et Irène la murène, et Milou le hibou, et Mia le boa, et Muriel l'hermine, et Bernard l'ermite, et Anémone l'anémone, et Tony le portugais. Oh, oh, mais regardez par ici tout le monde, caché dans les fourrés. Il y a aussi Angèle la tourterelle, et Arlette la levrette, et Arthur le silure, et puis Serge l'ama, et Alexis le tari, et puis Roc le phoque, et Annette la crevette, et puis Maya l'abeille. Oui, c'est moi. Et ce n'est pas fini, hein, car il y a Béa la houta, et Alban le poisson, et Richard le lézard, et Alain le pingouin, et René le fourmilier, et Mili le kiwi, et Olaf la girafe, et Quentin le lutin. Ah, ah bordel, un lutin qui bouge. Ah, plus jamais ça. Pouh. Bon, je crois que j'en étais à Coralie la fourmi, et
Samuel Tekel et Yolande la Limande et Camille le Gorille et Conan le Barbare et puis Suze la Méduse et Colin le Colin et Bernard l'Oiseau. Oh non, il est parti. Heureusement qu'il reste Yvette la Belette et Albin le Petit Lapin et puis Marthe la Marthe et Jean-Seb le Micro-Seb et Loana le Puma, Isabelle la Coccinelle et Mathieu le Lieu et Armando l'Escargot. Mais dépêche-toi Armando. Oh. Et on repart tous ensemble et on arrive chez Hunter le Procureur. Bonjour Monsieur Hunter. Non, vous dérangez pas, on ne faisait que passer hein. Détective, il va bien? Hein? Cool! Vous avez vu le dernier épisode du cheval? Ah, d'accord. Non, je suis pas là pour tâter le terrain pour le prochain procès, hein, ne vous inquiétez pas. Mais de toute façon, on doit y aller parce qu'on doit encore passer chez Aline la Zibline, et puis Rose le Flamant Rose, et Muriel l'Hirondelle, et Aglaé le Bélier, et Anouk le Bouc, et Conrad la Dorade, et Edmond le Plancton, et Phénix le Porc Épic. Mais c'est pas vrai, t'es encore là, mais... Qu'est-ce que j'ai dit avant d'enregistrer? On ne passe qu'une seule fois. Mais je m'en fiche, moi je t'attends pour aller dîner depuis tout à l'heure. Plus, c'est toi qui voulais des hamburgers. C'est pas sur script, Phoenix. faut pas qu'on traîne, hein, parce qu'il faut qu'on aille voir aussi... Marion le Hérisson, et Agnès la Nesse, et Babette la Chouette, et Claire le Renard Polaire, et Gildas la Limace, et Pipion le Morpion, et Julien le Dalmatien, et Flipper le Dauphin. Et si jamais il nous restait du temps, mais là vraiment j'en doute à cause d'une certaine personne... Il faudrait qu'on passe voir aussi Bérangère le protozoaire et Carlos l'albatros et Abdoul la moule et Barnabé le scarabée et Riton le raton et Théophile la drosophile et Pascal le grand frère et Sonic le hérisson. Phoenix ? Mais Phoenix, reviens ! On en est à la meilleure partie en plus là ! Allez ! Ah mais c'est toujours pareil avec lui ! Il est pas assez patient pour toute une chanson ! Franchement, ça lui portait préjudice pendant ses dossiers, ça, hein. En plus, elle est pas si longue que ça, cette chanson. On en a combien de temps, là? T'écris quoi? Ouais, bon. Bon, j'en étais où, moi? Je sais plus, je... J'ai oublié. Bon, je vais reprendre depuis le début, hein. Ça va être plus simple. Allez, et je fais pas l'intro, comme ça on gagne du temps. Alors... Il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille la corneille et Léon le frelon et Fédore le porc et Tonio le blaireau. Je les rejoins et j'essaie d'aller voir mes amis parce que bon, faut bien que je retrouve de nouveaux amis. Hein. Bref, sur la route je retrouve Yvan le rond. Enfin bon, c'est délire parce qu'il y a un rond sur une route... Enfin bon, tant pis, c'est pas grave, hein. Qui s'en préoccupe de toute façon, c'est qu'une chanson, quoi. Alors, Yvan le hareng, et Edgar le cougar, et Fidèle la sauterelle, et Firmin le lémurien, et Ginette la mouette, et Manon l'espadon, et Yvon le saumon, et Mario le bulot. Et en chemin, on rencontre encore plein de nouveaux amis, wouh. Il y a Norbert, le spolaire, et Laurent, Houtan, et Olivier, le fox terrier, et Gaëtan, le flétan, et Herbert, le pacochère, et Hugo, l'asticot, et Hubert, la panthère, et Loulou, le kangourou. Mais ce n'est pas fini, hein, car on rencontre aussi Lulu, le zébu, et Idir, le tapir, et Dédé, la grenette cendrée, et Salomon, le cochon, et Jean-Marc, la carpe, et Théo, le cabillaud, et Jamal, le chacal, et Sophie, le canari. Et avec tous ces nouveaux amis, là, comme j'en ai plein, on rencontre un autre groupe d'animaux. Encore ! Ah ! Je me sens seule. J'ai faim. Phoenix ? T'es encore là ? Attends-moi, j'ai fini ma chanson ! Oui, j'ai oublié de couper l'enregistrement. Bisous. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.